Arrondissement Francis Spinner. Le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, Clémenceau est une grande figure de l'histoire de la ville de Paris. Il a été maire du 18e arrondissement et président du conseil municipal. Il a incarné la victoire et c'est une grande figure de la République. La situation de la Fondation est aujourd'hui difficile puisque cette subvention, qui est bienvenue, est tout de même insuffisante au regard de la baisse catastrophique des fréquentations, puisque nous sommes passés d'une moyenne de 6 000 visiteurs ces dernières années à une année à 1925 visiteurs en 2020, et nous ne pouvons pas faire de projection sur l'année 2021, mais compte tenu de la crise sanitaire, il y a là évidemment un manque à gagner. Le musée a fait l'objet de nombreuses rénovations, elles ne sont pas toutes achevées, et il y a besoin que, effectivement, cette fondation soit aidée, d'autant que cette année, dans le cadre du 100e anniversaire de l'arrivée du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, la mémoire du tigre et la volonté de dynamiser son image, qui demeure un exemple qui serait utile par les temps qui courent, nous apparaît plus que nécessaire. La mairie du 16e a décidé d'ailleurs de poser les bases d'un partenariat resserré avec la Fondation Clémenceau pour que nous puissions faire des expositions hors les murs, des conférences à la mairie avec le jeune public et faire connaître cette grande figure de la République. Voilà pourquoi cette subvention nous apparaît bienvenue, même si nous estimons qu'elle aurait pu être plus généreuse compte tenu de la situation. Merci.